где-то пятая или шестая минута. Так, 38:41. Without dramatism, without any personality, we have no literature. But eccentric poetry is possible. Let's speak about all things at the same time, and in different languages, and immediately. We use, like a plastic solution, art of action, performance styles so fashionable in the mid of 70s and rejected by public of 90s. Full minimalism, no words, no gestures, no decoration. Ropes, crumpled newspapers, fragments of bicycles, an allusion to the kinematic theater. But the plot is missing. Oh, крылья белые по ветру, словно парус распусти жизнь, скорбящую Деметру, всех любя перекрести. As a plot, we have chosen the procedure related with measurement of time and the timing of various psychological states, and with the phenomenon of silence. Second tick-tock are the unique nights of measurement because they don't have their own content. In this, perhaps Henry Bergson was right, the time is our genesis deprived of his content. But every second is capable to bring reflection of eternity to a meaningful object and increase its value. The crunch of broken wood in the forest instantly disappears in the past. We can hear a click, which is immediately cloned in the series of repetitive sound clones. Imagine a universal point capable to transpose itself from mathematical equations in the musical score, and then in the end of the line which I am just going to write.
certain énoncé, et hélas, nous pouvons seulement deviner le contenu de cet énoncé. Étant formulé et définitivement régularisé, cet énoncé, malheureusement, risque de perdre la moitié de l'attraction. Nous pouvons dire qu'une gorgée d'eau a un goût seulement au moment de l'apparition de l'essentiel de l'eau. Tout le reste, nos impressions empruntent. La chose la plus importante dans la vie, les relations humaines. Ils s'alignent, ils se déchirent comme l'être dernier, se décolorent du temps, se rétablissent mais ne se rétablissent pas. La personne se reflète dans plusieurs objets et phénomènes. Ces images deviennent de moins en moins visibles. En se rapprochant du monde des idées néoplatoniques, l'empire du multimédia, l'empire du Internet. Voilà les derniers modèles du miroir, sans amalgame et sans plan de la réflexion. Ce texte, qui sonne au moment donné, n'est pas le porteur du sens initial. L'idée proférée le mensonge, Tchouchev, poète russe du 19e siècle. Au moment donné, le texte sera transformé en son et absorbé aux auricules. Mais en effet, on peut supposer que ces mots étaient déjà prononcés, qu'ils sont prononcés à dixième, à une centième fois, comme une formule, sonnant sur les planches théâtrales ou dans la vie quotidienne. Il y a de plus un détournement du sens et le transcodage du contenu. Voici les mots, respecter les temps et se confronter au sens. Peut-être, je l'ai dit intimement, avec la voix de l'âme, c'est une partie de la médaille. Autre affaire, quand je prononce ces mots, dans la clé éditoriale, ou comme l'acteur, ou comme la moralité. Encore une fois. Soumettons en articulation cet impératif. Respecte les temps et se conformer au sens.